Et salut à tous, c'est Fripon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Super Mario Galaxy 2. Alors à la fin du premier épisode, je vous ai pas montré, mais il y a quelque chose qui est apparu sur le vaisseau. Ouh, joli M pour Mario. Jolie casquette. Attendez. Donc je vais essayer de refaire le saut bien comme il faut, voilà. Donc voilà, sur le pif de Mario, en fait, il y a un œuf Yoshi qui est apparu. Donc ce que je propose, c'est qu'on le prenne tout de suite. Si j'y arrive, est-ce que je vais réussir? Ouais, j'ai réussi. Hop. Voilà, donc là, je vais aller sur les fleurs. Je pointe avec la Wiimote, c'est bon, ça passe. Et là, je vais faire un combo de ouf. Ah, on peut faire que... J'ai l'impression qu'on peut faire que 3 combos maximum. Bref, on va tout manger. Donc en fait, dès qu'on mange un fruit, ça donne un fragment d'étoile. Je pensais qu'il y avait un autre secret, mais apparemment c'est juste ça. Est-ce que je peux lire? Ouais. Inutile de sauter pour monter sur Yoshi, tu peux aussi bien tournoyer. Très bien. Ah! Quand même, on a une vie en fait. Ici, ça dit quoi? Maintiens A enfoncé quand tu sautes avec... Ouais, ça je suis au courant. D'accord. Et enfin, ici on a quoi? Si tu es sur le dos de Yoshi et que tu veux descendre, maintiens Z enfoncé sur le nunchuck et appuie sur A. Comme ceci. Ouais. Ok, ça roule. Et donc on a également débloqué un nouveau monde que je vais vous montrer. Donc je l'ai pas encore exploré. Hein. Je vous attendais pour le faire. D'ailleurs, je suis pas sûr d'y aller tout de suite puisqu'il manque une étoile dans ce niveau. Ouais. Après on ira ici. Vous voyez que j'ai toujours pas activé. Ah bah ça va le faire automatiquement. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ah, ça ressemble à une bouteille d'Orangina. Pourquoi pas? Toi, tu veux 300 fragments. Ok. On va essayer d'en récupérer donc 50. Non, je dis n'importe quoi. 63. Ouais. Il faut qu'on en récupère 63 dans celui-là. Et on est parti. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très content de vous retrouver sur ce jeu. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je lance Super Mario Galaxy. Puisque c'est un jeu où on s'amuse tout simplement. Alors, nid de Yoshi, des hérisses qui hérissent. Oui, pas mal. Ah ouais, d'accord. Donc dans Mario Bros, je me rappelle que c'était le Lakitu qui les jetait sur nous. Ça date, hein. Et donc, je suppose qu'il n'y aura pas Yoshi dans celui-là. Ah, ils sont vachement gros quand même. Hein. On va faire gaffe, on va les esquiver. Enfin, je vais d'abord voir si on peut les frapper avec en tournoyant. Oula, je suis pas sûr. Non. Ça les freine, mais... Ouh, par contre, ils tracent. Ah, même sur la boue, ils tracent, on va faire gaffe. Ah non, je fais n'importe quoi. Eh, je vais crever dès le début. Non, certainement pas. On va se concentrer. Ah si, il y a Yoshi. Juste, par contre, tuer la piranha pour avoir toute ma vie. Voilà, comme ça. Comme ça, on est au complet. Bah voilà, il est là, le Lakitu. C'est lui qui les lance, je suppose. Est-ce que je peux le manger? Non, je peux pas. Ça, je peux pas le manger, ça. Ah si, si je tire, je peux le manger. Bah je vais les manger, vous savez quoi, parce que de toute façon, il nous faut des fragments. Hein. Il nous faut des fragments, donc on va manger le plus possible. Voilà. Allez, on continue. Ouais, on va tous les bouffer et puis c'est tout. Hein. Ah d'accord, en fait, celui-là, il le mange pas, il le recrache après. Ok, ça roule. Donc on va parcourir le niveau, on va voir ce qu'il faut faire. Là, je sais qu'il y avait des fragments d'étoiles. Ouais, je me concentre sur les fragments d'étoiles, comme ça... On pourra d'une pierre faire deux coups, c'est-à-dire finir le niveau et débloquer l'autre niveau en collectant les 300 fragments d'étoiles. J'ai dit d'une pierre deux coups, ouais c'est ça. J'avais peur d'avoir dit d'un coup de pierre, parce que des fois je confonds souvent ce que je veux dire. Enfin bref. Donc toi tu veux quoi? Je te parle. Sois incapable de gober un de ces trucs hérissés de piquants, n'est-ce pas? Effectivement, il n'y arrive pas apparemment. Par contre, je peux le recracher sur toi. Ah non. Ah, il commence à m'énerver, lui. Je peux pas l'avoir avec des... Ah, je peux pas lancer des fragments d'étoiles quand je suis sur... Quand je suis sur Yoshi. Par contre, je peux le sauter dessus, peut-être. Ah bah si. Ah bah, je pensais qu'on pouvait pas le toucher. Eh, reviens là. Oula, tu vas te calmer. Voilà. Donc lui, je vais le bouffer et je vais recracher sur les autres pour voir ce que ça fait. Hop. Oui, ça marche. Ouh, attention. Hop, je les prends. Oh, attention. Ouf. Ouais, le Lakitu qui réapparaît, hein, sinon ce serait trop facile. Ah.
Bon, laissez tomber, on va tracer. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Le truc, c'est que je voudrais bien débloquer ça, en fait. Est-ce que si je recrache le... l'espèce de tortue piquante, est-ce que ça le casse? Oui, ça marche. Ok, on va faire ça, et puis on va passer à la suite du niveau, puisque je pense qu'on a assez... on a assez traîné ici, hein. Il y a d'autres trucs à explorer. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, je l'ai bouffé le nuage. Allez, j'avale tout. Et je rush. Hop là. Toi, tu me laisses tranquille. Donc là, par contre, on va casser les espèces de diamants. Ah, les musiques, c'est un plaisir. Donc là, il y a une vie. Bon, c'est pas super important. Par contre, où je dois aller maintenant? Où est-ce que je dois aller? Attendez, j'ai raté un truc, je pense. Et si je vais là, qu'est-ce qui se passe? On a une pièce. Alors, j'ai peur de pas avoir compris un truc. Il manque... Ah, non, mais je suis vraiment naze. J'avais pas vu l'étoile propulseuse. Alors. Bouffe-le. Allez, vas-y, attention. Ouais, j'ai pas vu ça. Je suis vraiment aveugle, hein, n'importe quoi. Oh, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Hop. Il y a pas d'étoile à prendre. Non, ah si. Ouais, il y avait pas mal de fragments dans l'espèce de volcan. Checkpoint, c'est parti. Hop, ça je mange. Ça je mange. Je mange tout, hein. Yoshi a très faim, là. En fait, il est chiant parce qu'il réapparaît à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je suppose qu'il faut... il faut casser les choses là-bas au loin. Comme ceci. Ok, c'est fait. Attention, là qui tue, pousse-toi. Ah, j'ai raté. Ouais, je crois que je suis pas assez haut. On va aller ici et on va viser là. Voilà, comme ça. Et puis là, on va viser ici. Pour les fragments. Ah, je les ai pas pris, c'est pas grave. Je sais pas combien j'en ai. Je sais pas comment on fait pour... Ah, j'ai cru qu'il y avait un autre... Je suis sûr qu'il y avait une autre étoile propulseuse là et qu'il fallait la prendre à temps. Mais bon, je suis pas sûr à 100%. Je verrai dans la vidéo, hein. Bon, allez, on va prendre la vie quand même. Parce qu'en ce moment, je les snob un peu, les vies. Peut-être que j'en aurai besoin plus tard, on sait jamais. Ah, c'est chronométré? Ah ouais, c'est chronométré. Hop, ça je m'en fous. Allez, on tire. Toujours les fragments d'étoiles, ça c'est bien. Ah bah voilà, c'est bon, j'en ai 74, c'est largement suffisant. Ah, par contre, il m'en faut un. Allez, tu viens là, toi. Tu reviens là. Et hop là. Oh, ça m'a l'air joli, tout ça. Ah, ça a l'air très très nuageux. Même orageux, je dirais. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux pas avancer. Ah si, c'est bon. Ok. Ah, un boss. Alors ça, c'est... ah, d'accord. C'est le roi, là, qui tue, alors. Je connaissais pas, hein. Je ne le connaissais pas. Il est sur un nuage qu'on appelle Zap. Alors, je suppose qu'il faut lui recracher ça. Hop. Ah, il esquive, en plus. D'accord. Ça va être subtil, tout ça. Ah, zut, j'ai... Les pièces, c'est... Ah, non, je suis pas bien, là. Bon, ok. Bah, finalement, la pièce, j'ai bien fait de la prendre. Hop. Je suis mauvais, là, hein. Allez. Des fois, il met du temps à donner son coup de langue, Yoshi, et je me fais avoir. Et il esquive bien. Je sais pas si c'est moi qui joue mal ou si c'est lui qui esquive bien, mais... Ah non, je joue mal. Allez, je me concentre. Hop, voilà. Là, faut... Non. Je pensais qu'il fallait le taper. Les fragments, je prends. Ça peut toujours servir. Est-ce que... Si je lui vise dessus avec les fragments... Ah, c'est vrai, je peux pas quand je suis sur Yoshi, j'avais oublié. Donc là, on va faire gaffe, on esquive. Oh non, je connaissais pas ce boss, ni ce personnage, hein. Peut-être qu'il est... il est propre à ce Mario Galaxy 2, parce que je l'avais jamais vu. Hop, ouais, là j'ai bien visé. Ok, une fois qu'on a le coup de main, ça passe, en fait. Hop, je prends. Merci bien, c'est généreux. Là, il est énervé, par contre, hein. Je pense qu'encore un coup, et on l'a. Il prend de l'élan, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il se met plus loin, en fait, ça va être un peu plus dur de le viser, c'est ça? Ouf,
Là, je l'ai eu. Oh, joli, belle esquive. Oh, attention. Oh non. J'ai plus Yoshi. Ah si, il est là. Attention. J'attends qu'il lance, après je vise. Oh la vache. Ah, oh, je suis mauvais. Ah, faut que je fasse gaffe, là je vais crever sinon. Oh purée. Attention. Ah, je suis concentré là, parce que j'ai fait n'importe quoi, je vais crever sinon. Ah, attendez. Faut que je me barre, parce que là, faut que je lance. Faut que je me barre, faut que je lance un fragment ici pour prendre une pièce. Vite. Voilà. Oh non. C'est un fail. Ceci est un fail, j'ai voulu bien faire et je me suis fait avoir. Ah tiens, j'ai plus... Je me rends compte que j'ai plus les vies de... du premier épisode. Ouais, faut savoir que... après le premier épisode, j'ai fait une pause, donc j'ai éteint la Wii, j'ai dormi, etc. Et je vois que les vies ne s'accumulent pas. Donc en fait, les vies, je vais pas les snober dès que j'en prends une. Dès que j'en vois une, j'en prends une. Bon, allez, cette fois-ci, on va faire les choses bien et vite. Parce que je déteste mourir dans les premiers niveaux. Hop. Oh, mais il est chiant aussi. Hein. Il se décale à chaque fois que je veux le viser. Et après, je vise mal. Ok. En fait, c'est pendant qu'il lance, faut l'avoir. C'est horrible. Voilà. Là, je vais l'avoir. Ouh. On va finir par l'avoir, ce boss, quand même. Hein. On va pas galérer dès les premiers boss, quand même. Sinon, c'est inquiétant. Ok, ça c'est bon, c'est facile à esquiver pour l'instant. Allez, balance-moi tes tortues. Voilà. Donc là, il va en lancer une, je peux l'avoir. Hop. Ouais, c'est bon, j'ai le coup de main. Donc là, je vais essayer de l'avoir directement du premier coup. Ce serait beau. Allez, énerve-toi, fais ton caca nerveux. Bon, je vais en prendre un. Oh, je l'ai eu de... en plein air. Oh, c'est cool. Donc là, j'attends qu'il lance. Bon, il va faire son attaque électrique. Ça marche. Vas-y. Et là, tu vas le lancer et je vais t'avoir. C'est bon. Non, je l'ai pas eu. Ah, il est un peu plus dur puisqu'il arrête pas de se déplacer en fait. Ah, il est chiant. Ouf, oh la vache. Est-ce que je vais l'avoir là? Oui. Il paye pas de mine, mais il est pas si simple que ça en fait. Hein. Il est pas si simple que ça, mais on a fini par l'avoir et on en est déjà à 13 minutes. 13 minutes pour une étoile. Je sens que ce let's play va durer très très longtemps. Mais on a fini par l'avoir. Donc on a fini cette galaxie. Enfin, ce monde en tout cas, je sais pas si c'est une galaxie ou un monde. Ce qui nous fait 4 étoiles. Doucement mais sûrement. Hein. Nid Yoshi, des Iris qui Iris, ça c'est fait. Fragment d'étoile, on en a largement plus que 300. 63 pièces, les pièces je sais pas vraiment à quoi ça sert, c'est peut-être pour les scores. Est-ce que t'as quelque chose à me dire de neuf toi? Les bases avant tout, sers-toi de la roue du gouvernail pour digérer le vaisseau. Très bien, à vos ordres. Alors, ça... Ah, en fait, c'est il fallait avoir 3 étoiles pour débloquer ça, vous venez de comprendre. Donc, allez. On va lui faire bouffer nos 300 fragments d'étoiles. Ah, d'accord, il vient dans notre vaisseau et c'est là qu'on va lui parler. Il porte bien son nom. Eh oui, je me doute. Alors, attention. Gobage de fragments, là. C'est parti. Et là, normalement, il va exploser en une planète, si je me souviens bien. En tout cas, c'était comme ça dans le premier galaxie. Ah non, une étoile, plutôt. Ouais, une étoile... Ah non, ouais, c'est bien ça. Il va se transformer en planète. Et ben, on va y aller tout de suite, puisqu'en général, ces mondes bonus, ils sont sympas. Ah, les fameuses plaques qui tournent en même temps qu'on fait l'attaque de la topie, la tournoyée. Dalle, clic, clac. Et ben c'est parti, il n'y a qu'une seule étoile à récupérer. Donc là, je pense que ça va être vraiment de la plateforme pure, hein, ce truc. On va voir. Saut tournoyant périlleux. Ouais, c'est ça, en fait. Dès qu'on fait le saut tournoyant, les dalles, en fait, pivotent. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais bon. Pas besoin d'en dire plus, vous allez voir ça tout de suite.
Ouais, ça a pas l'air super simple, hein, comme ça. Mais tant mieux, j'aime bien le défi. Alors, c'est quoi la musique? Ah, c'est une musique plutôt discrète. Alors, lui, qu'est-ce qu'il me montre? D'accord, ouais, c'est bien comme ça. Allez, on va pas se précipiter trop non plus. Parce que c'est le genre de choses où si on se précipite vraiment, on meurt bêtement. Ouais, voilà, pour l'instant ça va. Alors, je sais que je peux les assommer avec les fragments, mais bon, j'ai pas besoin, ils sont pas non plus super durs à battre. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça, ça passe. Très bien, allez, on va se prendre la vie. Maintenant, les vies, je les prends. Maintenant que je sais que ça ne s'accumule pas. Ce qui est très bien, comme ça, on se retrouve pas avec 90 vies. Pour l'instant, c'est plutôt simple, hein. Il avait l'air plus dur à vue de nez que réellement, quoi. Alors, checkpoint, on est arrivé pratiquement à la moitié. Oh non, j'ai voulu faire le fou, là, vous voyez. Faut vraiment pas improviser, là, faut faire les choses bien. Ouais. Là, il y a quoi? Des fragments, on prend, ça peut toujours servir. Ah, ouais, ça se complique, là. Bon, on va attendre qu'il passe. On va se mettre sur les rouges, hop. Là, on va attendre qu'il passe, parce que je l'ai vu. Et on va prendre la vie. Hop, de toute façon il va tomber. Là il va tomber aussi. Là il va tomber. On va aller là. Ouf. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et voilà. J'ai voulu aller trop vite. Ouais, ça se corse un petit peu là. On va la refaire, c'est bon, on va réussir. Donc je peux aller directement ici. Allez, on va faire comme ça. C'est plus rapide. Donc là on fait comme ça, ensuite on fait comme ça, ensuite on va vite, on fait comme ça. Là je vais le faire tomber, oh il est pas tombé. Oh je me suis encore fait avoir. Non ok. Je suis nul, hein. Je suis nul mais j'ai compris. C'est le dernier échange qui m'a posé problème. Ouais en fait j'ai rien dit, il est plutôt corsé ce niveau, sur la fin. Faut vraiment que j'anticipe bien en fait. Faut pas que j'aille trop vite. Ouais c'est ça en fait. Je crois le faire tomber en fait il tombe pas vraiment. C'est dangereux quand même ça. Ouais, je vais aller là, là c'est safe. Là c'est safe, ah il faut que je prenne ça. On va le prendre. Hop là, comme ça. Là on va faire comme ça. Non j'ai fait quoi? Oh j'ai failli crever. Restons concentrés. Ok comme ça. Hop. Ah, faut y aller vraiment doucement là. Ah bah je pense que on va avoir du challenge, hein. Niveau challenge on va être servi avec ce Mario Galaxy, je pense. Puisque pour des premiers niveaux quand même c'est pas trop mal, hein. Donc là faut que je trouve. Ouh attendez attendez. Ok j'ai compris, on va faire comme ça. Eh hey, quand même. Ah il était bien ce niveau, hein. Bonne difficulté. J'ai pas super bien joué, hein. Mais on y arrive quand même. Et donc on va pouvoir passer au monde suivant. J'ai l'impression qu'au rythme où on va, ça sera 3 étoiles par épisode. Hein. Surtout que plus on va et plus les niveaux vont devenir compliqués, hein, forcément. Ah, je peux encore voyager plus loin, mais ça c'est chouette ça. T'as ramené un lapin. J'arrive plus à parler. T'as ramené un lapin stellaire? Hé, petit gars, tu sais ce qui est encore plus mignon que ces bêtes-là? Mais en fait, rien. Allons, te vexe pas, Matelot, c'était pour rire. Oh là 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 là, mais quel humoriste! Et qu'est-ce qui nous apporte ce lapin? On va aller le voir. Il est où? Où est-ce qu'il est? Il est là. Je prends les fragments. Tu vas encore nous dire de... Ah mais on peut même pas lui parler, ah si. Ah ouais il dit que la même chose lui. Ouais d'accord. Il se répète. Ah là là, pauvre PNJ. Alors, on va continuer. Et puis je pense que ce sera la dernière étoile. Attends, c'est quoi ici en fait? Ah c'était pour avoir des pièces je crois. Forage cosmique. Et bah c'est parti.
forage cosmique. Ah, ça peut être drôle ça. En fait, je crois qu'on va forer. Hein. Je suis vraiment quelqu'un de très malin. Forage, donc on va forer. Ah d'accord, c'est peut-être une nouvelle transformation. Je sais pas, on va voir ça tout de suite. On atterrit sur la bouteille d'Orangina. Vraiment, c'est vraiment la forme, c'est assez marrant. Donc ça, c'est des foreurs. Alors, attendez. Voilà, c'est ici. Oula, je sens que je vais éternuer. Chiao. Ah, je m'excuse. Je suis un petit peu enrhumé. Alors, j'ai pas lu du coup s'il va le faire. Ah, ok, c'est l'attaque du saut tournoyant pour faire ça. Donc, alors, attendez. Je suppose qu'il faut aller... Bon, la vie... Vraiment, je m'excuse. J'ai encore éternué. C'est souvent par paire de deux. Alors, attendez, est-ce qu'il y a une étoile propulseuse quelque part? En haut, il y a quoi? Ah, il y a un Luma en haut. Attendez, et si je vais ici, qu'est-ce qui se passe? Hop. Oui, j'ai vu juste. Donc si je lui parle, il va se transformer. Parfait. Alors, je m'excuse deux secondes, je vais me moucher, là j'en peux plus. Ah, bien sûr, j'ai coupé le bruit au montage, hein, je ne vais pas vous imposer ça. Alors, pendant qu'il est comme ça, on peut l'avoir. Ouais, une petite pièce, merci. Encore une foreuse. Je sais pas si ça se dit comme ça, je pense. Hein. Alors, est-ce que ici, ça vaut le coup de le faire? D'accord. En fait, on se retrouve à l'envers. C'est vraiment que dans ce jeu qu'on peut se retrouver la tête à l'envers, quoi. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Et si je le fais ici? Je voulais pas faire l'attaque tournoyante, et pourtant ça l'a fait. C'est un peu problématique, ça. Et si je le fais là? Attendez, on va le faire là, voilà. Ah, on peut pas le faire ici. Faut que j'aille en haut, en fait. Faut que je le fasse ici, peut-être. Ouais, ça m'a l'air bien parti. Ah, une médaille farceuse. Ou comète, une médaille comète, je ne sais pas. En tout cas, c'est utile de les prendre, puisque c'est grâce à ça que après on aura les comètes farceuses qui nous permettront d'avoir... qui nous permettront d'avoir des étoiles supplémentaires. Attendez, je suis un peu coincé là. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Peut-être ici. Non, ici je l'ai déjà fait, je vois les traces. Si je le fais entre les deux, il se passe quoi? D'accord. De toute évidence, il faut que j'aille en haut alors. Donc, on va le refaire ici. Ouais, faut que je le fasse ici. Et ensuite, je vais là. Et je le fais. Hop. Ouais, c'est bien ça. Allez, c'est parti, transforme-toi. Comment tu as fait pour arriver ici? D'autres Luma attendent plus loin. Et ben, je vais trouver les autres. Alors là, il y a un trou noir, ça veut dire qu'il faut faire gaffe de pas tomber. Hein. Donc ça, c'est les plateformes temporaires. Donc, on va se grouiller. Hop, toi, je te saute dessus. Parce que tu me le proposes si gentiment. Allez, on va passer par là. Attendez. Donc là, c'est pas le même timing pour les plateformes. Hop. Ah bah c'est que pour des pièces, j'avais pas vu. Ça sert pas à grand chose. Donc c'est pas là qu'il faut aller. Hop. C'est ici. Ah non, ici c'est pour les... C'est pour les vies. Bon, on va les prendre. Voilà, ça peut toujours servir. Surtout que là, c'est facile à prendre. Allez, on est parti. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les vies vont apparaître au milieu. Ah, je les ai pas eu direct. Je vais prendre en même temps les fragments. Voilà. 11 vies, je pense que... Je pense qu'on devrait tenir avec 11 vies pour cette fin d'épisode. Hein. Et donc c'est pas là qu'il faut aller non plus. Ouh, j'ai failli tomber. Où est-ce qu'il faut aller en fait? Je piche pas trop. Attendez, je réfléchis. Donc il y a des trucs en bas. Ah, peut-être que c'est... ici? Non. Je pensais qu'il y avait un trou et... Ridicule, laisse tomber.
J'aurais peut-être dû prendre la foreuse, peut-être. J'aurais peut-être dû prendre la foreuse. Puisque je vois pas trop où il faut aller, là. Attendez, attendez. Bah non, non, il n'y a pas de foreuse, hein. Ah, c'est marrant, ça, je comprends pas. En plus, je meurs, c'est n'importe quoi. Attendez, j'ai loupé un truc, là. Je regarde un peu le décor de loin pour voir s'il n'y a pas une entrée secrète. Non, non. D'accord, d'accord, bon. Peut-être qu'il faut tous les tuer, en fait, hein. C'est ce qu'on va faire. Oh! Donc, je peux pas le toucher pendant qu'il est en train de tourner. C'est noté. Faut attendre qu'il soit comme ça. Donc, je vais récupérer ma vie. Hop, attends, 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 attends. Je te laisse finir. Ah, sinon, je peux le freiner comme ça, ouais. Hop. Ça marche. On va tous les tuer, on va voir si c'est ça, hein, parce que sinon je vois pas. Oh, c'est bon, je l'ai eu. Il en reste un. Je crois qu'il en reste un. Non, il en reste aucun. Bon, il reste un Goomba. Oh, j'ai vraiment la voix cassée. Hein. Il reste un Goomba, on va le tuer, on va voir si c'est ça. Hop. Maintenant, je prends toutes les... Ah, attends, attends, attends. Ah bah tiens, il était là en fait. Désolé d'avoir été si long, bah oui. En effet. Alors, là il y a des Goombas. Bon, on va se les faire rapidement. Je pense qu'il y a un petit bonus à récupérer ici. Ah bah tiens, voilà. Ah bah non, il n'y a pas un bonus. C'est que, en fait, je peux pas atteindre l'étoile directement, faut que j'aille en dessous. Hop. Et donc là... Ah, c'est vraiment bien foutu quand même. Hein. On va tout prendre. Voilà. Et là, attaque de la foreuse. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent apparemment. Waouh, Mario, c'est vraiment toi. Chaleureuse salutation de la part du capitaine de la brigade Toad. Hop, je vous reprends, donc j'ai dû faire une petite coupure puisque mon portable a sonné. Alors, j'ai arrimé le vaisseau champignon ici car quelque chose de monstrueux nous bloque le passage. Tu n'irais pas dans cette direction par hasard? Faut croire que si, et j'aperçois le vilain truc au loin. Et toi, tu veux quoi? Ah, tu vas nous demander de choisir entre... Oh, j'ai tout pile poil. Ouais, bah ok, c'est parti, je crois que je vais prendre le champignon qui nous procure 3 vies supplémentaires. Parce que pour les boss, je crois que c'est le mieux à faire, hein. Ah, donc ok, bah, y a pas mal de boss en fait dans ce Mario Galaxy, j'ai l'impression. Ce qui est une bonne chose, hein. Et il y a aussi un checkpoint. Allez, on est parti pour le boss. Voilà, un petit combat pour clore cet épisode, ce sera pas mal. Ok, donc il a l'étoile juste sous son visage, j'ai l'impression. Alors attendez. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, en fait, c'est du 2D, là. Je peux pas aller au centre du cercle. Alors, attendez. Là, je vais faire gaffe, je vais plus me faire avoir. C'est maintenant qu'il faut y aller, en fait. Je crois qu'il faut que je fasse ça sous lui. Ok, c'est ça. Donc là, je prends les fragments. Voilà, en fait, en voulant prendre les fragments, je fais l'attaque tournoyante. Et du coup, ça me fait faire percer le trou alors que je veux pas. Et je fais n'importe quoi là, faut que j'attende qu'il soit... Attendez, ça j'esquive. Faut que j'attende qu'il soit de l'autre côté. Donc en gros voilà, comme ça. Attendez, hop, ça j'esquive. Hop, maintenant. Je crois que j'ai mal fait, non c'est bon. Donc plus qu'un coup et on va l'avoir. Regardez, ça c'est encore refait, je voulais prendre les fragments et du coup j'ai foré au lieu de prendre les fragments avec la Wiimote. Ouf, attention, il y en a deux là cette fois-ci. En plus il saute sur les côtés. Ouais, je sens bien que c'est sa dernière forme là. Hop, il va en faire encore un coup. Hop, j'esquive. Voilà. Et là, il va apparaître ici. J'attends qu'il soit immobile pour le faire. Maintenant. Allez, vite. Et voilà le travail. Je l'ai trouvé moins dur que le roi là qui tue. Hein. Et donc, s'il nous fait notre 6ème étoile. Hop. Attendez, attendez, j'ai envie de la prendre avec la foreuse.
Ce serait sympa ça, on va essayer. Hop. Et voilà, magnifique. Bon alors un épisode un petit peu laborieux puisque je suis mort pas mal de fois quand même. Hein. Alors que c'est les premiers niveaux. Donc il faudra que je m'améliore rapidement parce que ça va être de plus en plus dur hein, forcément. Foropod, j'avais pas vu le nom du boss, c'est Foropod apparemment. Vous avez trouvé une médaille comète. 120 fragments d'étoiles. Ah donc les pièces c'est pour Lévi. Je viens de piger. Et donc voilà ce qui nous attend pour les prochains épisodes. Oh voilà un de mes petits os. Je me demandais ce qui lui était arrivé ça alors. Bah écoute si ça te fait plaisir, hein, ça me fait plaisir aussi. Il a construit un vaisseau pour revenir ici. Hein? Eh eh, brave petit gars, mais quel équipage! Tu connais ces gars-là, matelot? Ah, il y a des Todd qui sont arrivés. Tu veux visiter leur navire? Bah dans ce cas, utilise le téléporteur juste là. D'accord, on a encore un truc qui s'est rajouté sur le vaisseau. Eh ben écoutez, on verra tout ça dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.